Eh bien le bonjour à tous, bien le bonsoir, pardon. Bien le bonsoir. Je viens de remarquer un truc. Je viens de remarquer qu'il y avait le cycle jour-nuit sur l'écran titre. Et ça, c'est plutôt pas mal. Salut Docteur Nintendo. Non, j'avais pas zappé. Il y a eu une mise à jour Assassin's Creed, donc j'ai préféré attendre la fin de la mise à jour, et une mise à jour aussi du logiciel de capture, donc je n'avais pas le choix que d'attendre. Sinon, j'espère que tu vas bien, Docteur Nintendo. Je quitte le stream du JDG juste pour toi. Oh, comme c'est aimable, monsieur Docteur Nintendo. Avec un grand plaisir. Que je te remercie. Mais bien grandement. Allez, chargez une partie. 17h30 de jeu. Est-ce qu'on va le terminer ce soir? On lancera un petit sondage pour savoir si on va le terminer ce soir. Moi, j'y crois. Hein. Je crois en moi. Tu es capable. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Je me souviens plus ce que je dois faire. On revenait ici, pourquoi faire? Pourquoi faire on revenait ici? Attendez, je vais vérifier les réglages parce qu'il y a quelque chose qui me turlupine. Vidéo. Bien 60. Ok. Hop. Comment ça marche? Comme ça. Parfait. Salut Toptof, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Je pense pas que tu le termines. Les dernières missions sont vachement difficiles. Peut-être que je les first try, monsieur Docteur Nintendo. Peut-être. Alors attendez, les missions, on avait dit que c'était quoi? Détruis les œufs de la carrière. On n'est pas dans la merde. Effectivement. On n'est pas dans la merde. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine. On s'est pas vu depuis dimanche. Je suis désolé, j'avais dû... Ouh, il a fait du Smurf. Il a fait du Smurf à la Michael Jackson. Où sont les œufs? Je ne sais pas où je dois aller. Ça va nickel, merci, je suis en week-end pour ma part. Ah, oh, ça c'est bon ça, Top Top. Ça m'étonnerait de first try, vraiment WAM. Elles sont dures, même pour l'époque de la Play 1, ce serait difficile. Arrête, tu me fais peur. Bon, déjà là-bas, j'ai vu qu'il y avait un œuf. Ici, on va récupérer les munitions en tant qu'à faire. Je vais récupérer toutes les munitions même. D'accord, je crois que je fais une erreur technique de tout prendre. Parce que je sens la... Je sens une horde qui va arriver. Ici, il y a un œuf, je crois. Voilà, ici. Je l'ai vu de loin. C'est pas pour te faire peur, c'est pour que tu sois prêt psychologiquement à ce qui va t'arriver. D'être sérieux. Bon, où ils sont les œufs? Je peux rentrer là-dedans? Non. On ne peut pas rentrer là-dedans. Est-ce que ça se passe ici au moins? Je vois pas où ils sont. Je suis arrivé par ici.
ou un œuf? 39. Tombe bien. Merci pour les maps ouvertes, vraiment le projet est colossal, ça m'aide beaucoup. Ouh là là, part pas dans quelque chose de... d'extraordinaire, hein. Ah ben non, on pouvait. Ah ben non, il est là-bas. Attendez, mais il y a des œufs là-bas. Est-ce qu'il s'agit d'œufs? Je peux pas les buter, à mon avis... En fait, c'était pas du tout par là qu'il fallait passer. Putain, mais c'était pas du tout par là qu'il fallait passer. Est-ce que c'est... Toute la dernière fois, j'aurais pu passer par... Mais non, c'est pas là. Je ne comprends rien, les gars. Détruit les œufs de la carrière. Non, 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 c'est pas extraordinaire. C'est juste que c'est très très long à faire. Les conditions sont assez précises. Je prends note. Après, dans un RP, Dr. Nintendo, ce qui compte, c'est pas réellement les constructions. Ce qui compte, c'est... C'est le jeu d'acteur. Alors là, les gars, franchement, je vois pas où faut aller. Ah, je peux passer maintenant. Je pouvais pas passer la dernière fois. C'est pour un 9? Non, on peut continuer à monter. Non, au secours! Au secours! Bon, je crois que c'est par là le chemin. Je crois que le chemin c'est par là. Oui, c'est l'histoire et le jeu d'acteur, mais pour ma quête, j'ai besoin absolument de construction et c'est long à faire. Je prends note, Docteur Nintendo. Bon, tu m'as dit que ça pourrait durer plusieurs lives, hein. Donc si tu me dis que ça peut durer plusieurs lives, ça peut être intéressant, hein, d'avoir un fil rouge assez long sur cette nouvelle mission RP. Putain, je me suis fait toucher par cet enfoiré de truc. Je fasse le double saut là. Il va falloir que je fasse le double saut, ils sont sérieux. Il va falloir que je fasse le double saut. Je suis désolé parce qu'en skate je suis obligé de me concentrer énormément. C'est pas évident le skate, les gars. Le skate, faut rester concentré. Tiens, je m'en sors bien là. Je m'en sors bien. Ah oui, c'est une très grosse quête et tu n'es pas obligé de tout faire d'une traite. En plus, j'ai exprès prévu pour que tu puisses le faire à ton rythme et pas que les lives ne soient uniquement consacrés à la quête. D'accord, c'est parfait ça.
Magnifique, une quête digne d'un RPG. On pourra la faire à plusieurs, Docteur Nintendo. Oh putain, si c'est ça qu'il faut faire, laisse tomber. Faut faire le double saut. Ils sont sérieux? T'inquiète, à part Doc et moi, il n'y a pas grand monde en ce début de live. Oh, pourquoi? Ah oui, 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 c'est tout à fait possible. Pourquoi tu veux que je m'inquiète, Top Top? Ah, c'est si je parle pas trop, c'est ça? J'avais pas fait gaffe. Pas fait gaffe, ça demande beaucoup de concentration là, en force de saut là. Allons-y. Je crois qu'il faut que je fasse le double saut. Hein. Oh, le saut rebondissant. Je crois que j'ai pas le choix. Faut que je fasse le saut rebondissant. Ou alors. C'est le saut rebondissant ou alors. Non, c'était là. Oh putain, d'accord. Faut que j'aille à l'intérieur. Je crois que je suis sur le bon chemin. Je crois être sur le bon chemin, les gars. Par contre, ouais, certaines constructions sont assez imposantes et ou détaillées, pas forcément sur la déco, mais rah, je peux pas dire plus. Dis pas plus alors. Hein. Allons-y les gars. C'est fou que le slot y soit. Ok, on va essayer de prendre de la vitesse. Ok, on est passé. On est passé. On n'est pas passé. On est passé. On n'est pas passé. On n'est pas passé. On est passé. Parfait. Je pense que c'est par ici, les gars. Oh la chocolat, ils sont sérieux. Oh my god. Oh my god, les gars. Ils sont sérieux de faire un passage comme ça, là? C'est pas un raccourci? Oh là 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 là, la catastrophe. Ils sont sérieux. J'espère que tu as un checkpoint. Oh putain, oh my god. On va prendre un maximum d'élan. Souhaitez-moi bonne chance, les gars. Souhaitez-moi bonne chance. Ah putain. Souhaitez-moi bonne chance, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais. Non. J'avais dit. Oh, checkpoint. Oh que je me sens bien. Et Doc est témoin, j'ai fait un 100 sur YouTube. Oh, bien joué, Top Top, bien joué. Bien joué, Top Top. J'ai fait un hôpital dans la SS sur le DLC. Ah, carrément un hôpital. Bon, j'ai vu le test de jeuxvideo.com. Je me tâte encore. Hein.
Ils ont osé faire ça. Je ne comprends pas ce que je dois faire là. I don't understand. On va y aller à pied. Oh putain, ici. Oh my god, le passage de la mort. Oui, Toptoff a fait un 100, je confirme. Le 100, c'est x3, je crois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi il n'y avait pas de puissance? Oh putain, les gars, Dark Souls. Le super Dr. Nintendo World est de retour, les gars. Pas dans la merde. Oh là 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 là, catastrophe. Le sang, c'est x20. Ah, je l'avais mis en x20. Ça rigole pas, quand même. Je vous respecte en faisant ça. Bon, restons concentrés. Ok. 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 T'as dit que Jack 2 n'avait que peu de plateformes, effectivement, jeuxvideo.com. Vous pouvez aller regarder le test. Oh putain. On a réussi. On va faire une petite pause, les gars. Parce qu'il y a un truc à récupérer ici. Magnifique. Le jetboard a l'air tout indiqué, Jack. Je dois y aller en sautant avec le... Faut que j'aille en jetboard, mais faut pas que je me foire. Hein. Peut-être prendre de la vitesse au max et faire même un double saut. J'ai peur, les gars. J'ai peur. C'est énorme. Il y a tellement d'humour, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc, ne te fie pas trop à leur avis. En tout cas, je le trouve très complet. Après, si t'es pas un décorateur, c'est sûr, ça vaut pas le coup. Oui, oui, c'est ce que j'ai vu. Non, pour le moment, je suis encore en doute. Bon, ça m'a servi à quoi, là, cette histoire, là, maintenant? Ça m'a servi à quoi, là, cette histoire? Ah oui, d'accord. Ben, c'est bon. J'ai eu les œufs, en fait. Ben, ça y est, je les ai butés, les œufs. Les œufs, ils étaient là, je les ai tous défoncés. À mon avis, la mission est finie. Parfait. C'est vraiment incroyable. Nous y étions presque. Le baron a volé la pierre des précurseurs sous notre nez. Et après tout ce que nous avons fait,
Thorn a finalement trahi notre cause. Thorn a cru bien faire. Il protégeait l'un des nôtres. Il faut récupérer cette pierre. Je m'en charge. Ouais, on s'en charge. J'ai sous-estimé le baron. Et voilà qu'il semble aussi détenir ce garçon. Réfléchissons. Que va bien pouvoir faire le baron à présent? Eh bien, si j'avais la pierre des précurseurs, si j'avais tout ce pouvoir, je me ferais construire un palais géant. Un palais abritant le plus grand harem qui jamais existé. Et il y aurait une piscine aussi. Oh, les bugs de la bouche. Chocolat, légèrement mentholé. Ouais, ouais, une énorme piscine de chocolat. Et j'y plongerai en compagnie de mes nombreuses femmes. Oh, il y avait des bugs là. Retournez à la plateforme de forage. Si vous pouvez détruire la tour de contrôle principale, cela devrait, je l'espère, empêcher momentanément le baron d'utiliser de l'écho contre nous. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de bugs qui sont présents sur cette version HD. Parce que là, on pouvait voir clairement tous les polygones. C'était plus des polygones, mais toutes les parties qui formaient la bouche de Daxter. Assez incroyable. Alors, faut aller où? Plateforme de forage. Détruit la tour. Détruit la tour à la plateforme de forage. La plateforme de forage, c'était ici aussi, hein. Si je prends le truc, là. Ça va m'amener... Oui, c'est ici. Oui, c'est ça. Détruit la tour. Ok. Le pompe, on a dit. J'ai plus de vie déjà, direct. J'ai plus de vie. C'est là qu'il faut aller ou pas? Pourquoi il regarde en l'air? Putain, je me rends compte de certains trucs du scénario. Je m'étais pas dit à 10 ans. Je trouve ce jeu encore plus dingue. Ah, mais clairement. Oh, attends, pourquoi il regarde en l'air, là? Tu as réussi à perdre 6 points de vie contre des 6 qui tourbillonnent. C'est clair, je me suis fait défoncer. Je comprends pas, là. D'accord, peut-être... Non. C'est ici ou pas? On est bien à la plateforme de forage, non? Non, la plateforme de forage, on est bien là. Elle est là, la tour. Elle est là, la foreuse. Pourquoi il veut pas y aller? Je ne comprends pas, les gars. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Avec une foreuse comme ça... Même au trou du Huc s'en trouverait élargi. les gars, là j'ai beau être en mode action réflexion. Attendez, j'ai pas vu la machine derrière. Je n'avais point vu la machine. Je n'avais point vu la machine. Effectivement. Ah ouais, rien à voir, hein. On a pris le Metal Gear. Ok, des lasers.
Ok. Est-ce que je peux sauter là-bas? C'est bizarre. Est-ce que je peux descendre? Non. À quoi ça sert de venir ici si je ne peux pas? On va tenter la plateforme, mais j'en doute. Metal Gear Viagra, car c'est solide. Avec une... Ok. Ah quoi? Non mais attendez là, comment je fais? On va tenter ça. Oh, secours! Ah oui, d'accord, je reviens là, cash. Bon, au moins, je récupère mes points de vie. Action-réflexion. 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 Il y a des mobs en haut. Peut-être qu'il faut que j'y aille à pied. Pourquoi ça n'a pas voulu se déclencher? Est-ce que j'ai raté une machine là-bas? Non. Non, non, non. La réflexion aura été courte. Il suffisait de regarder en haut. Ben oui, mais j'ai toujours pas trouvé comment y aller. En double saut, ça passe. Mais waouh, monte en haut. Ça passe pas. Attendez, je fais le grand saut. Mais... Alors attends, avec la machine peut-être? Je n'ai pas compris quelque chose. Il y a un truc que je n'ai pas compris. Peut-être qu'il fallait sauter. Attendez. Mais c'est pas vrai. Attendez, on va faire ça. Ça. Non, ça ne marche pas. Il doit être en train d'halluciner, Dr. Nintendo, là. Tiens, mais c'est pas possible. Je suis en train de réfléchir, les gars. Je suis en train de réfléchir. T'inquiète, Wab, je comprends pas non plus. On est d'accord, Top Top, merci bien. Parce que là, j'ai essayé de sauter avec. J'ai essayé de sauter avec le robot. J'ai essayé de voir sans. Mais non, tu as pas essayé. C'est là-haut que ça se passe. La porte est là-haut.
Mais oui, mais va là-haut. Mais c'est pas, c'est trop. J'arrive pas à l'atteindre. Double saut trop. Mais non, pourquoi j'ai appuyé là? Bon, au moins j'ai tué les deux qui sont en haut. Hein. Comment je fais? J'ai tout essayé là. Mais tu es tombé dans le vide deux fois avec le robot et tu as pas essayé avec Jack. Bah écoute, j'ai essayé de sauter là. C'est un peu tarabiscoté tout ça. Hein. C'est un petit peu tarabiscoté. Là, j'ai du mal à réfléchir tout de même. Hein. J'ai du mal à voir le truc. Tu es tombé, t'as pas sauté. Tu es tombé, tu as pas sauté. Ah, je pouvais sauter alors. Bien, j'ai pas réussi. Je me suis pas fait toucher. Magnifique. Oui, mais je suis obligé d'aller avec le robot. Ah oui, mais ça, il y a un truc à activer là-haut. Passe avec Jack sur les deux plateformes et monte au-dessus. C'est ça. Ah oh putain, mais j'avais pas vu le rebord. J'avais pas vu le rebord, les gars. Elle fait des allers-retours ou pas? J'avais pas vu ce rebord-là, les gars. Ce rebord là qui est plus bas que celui-ci, je l'avais pas vu. Je comprends pas que tu essayes d'y monter avec le robot et pas avec Jack. Alors attends, déjà il faut que j'essaye de pas tomber dans le vide. Oh putain, oh j'ai failli mourir. Était bien fait le ressort. Parfait, on a réussi les gars, on y arrive toujours. Elle va être longue cette mission, je pense. Hein. Voilà, j'ai cru voir des lasers. Oh, pas très bien. Faut que j'y aille sans Jack. Faut que j'aille avec Jack peut-être. J'en sors bien. Oh putain. J'ai peur pour la suite. Une catastrophe. Est-ce que je peux y aller là? Il y a quoi en dessous? Il y a rien? Est-ce que je peux le viser le truc? Ouais, c'est bon. Parfait. On est bon, hein. Ça passe, ça passe. Est-ce qu'il faut toujours être avec le robot, là?
catastrophe. T'es sérieux? Oh putain, je reprends là. Oh putain. Ça va être une catastrophe. Ça va être une tragédie. Une tragédie, cette histoire. Une vraie tragédie. Heureusement que j'avais dit que le jeu en live devait faire une dizaine d'heures, Docteur Nintendo. Une dizaine d'heures, Docteur Nintendo. Nous sommes à 18 heures de jeu. J'avais pas vu ça. Une dizaine d'heures avec du talent. Mais en vrai, il est bien. Donc, ça compense, non? C'est pas faux. Je le reconnais. Après Roméo et Juliette de Shakespeare, Jack and Daxter par un jeu de Wham en 10 actes. C'était bien à pied que je devais y aller, là. Hein. Où est-ce que je peux y aller avec le robot? Je peux y aller avec le robot, je crois. Je pouvais y aller avec le robot, en fait. Très bien. Est-ce que je peux sauter avec le robot, là-bas? Ça passe. Allez! C'était avec le robot qu'il fallait y aller. C'était avec le robot. Y'a pas de musique dans ce niveau ou quoi? Peut-être un bug? Donc déjà j'ai compris que je pouvais y aller avec le robot. Ça c'est pas mal. Ça, c'est pas mal du tout. Pour viser, c'est un peu chaud quand même. Alors. Bon, après, en même temps, tu prends pas de dégâts. Donc j'ai bien envie de bourriner. C'est passé. Je ne comprends pas. Ok, d'accord. Faut le faire en deux fois. Non ! Je peux faire brûler, c'est pas grave. Checkpoint.
Checkpoint, les gars. Checkpoint. Checkpoint. Je sens le checkpoint. Oh putain. Bon ça, ils sont tous à côté. Alerte, défaillance du système de refroidissement de secours. Passage en commande manuelle. Alerte, défaillance du système ici, de refroidissement de secours. Ici, 5. Passage en commande manuelle. 3. Est-ce qu'il y en a un derrière? Non. Alerte, défaillance du système de refroidissement de secours. Passage en commande manuelle. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de musique. Il en reste encore deux. Alerte, défaillance du système. Il y en a un derrière. De secours, passage en commande manuelle. Alerte. Je vais les détruire là avant qu'ils me cassent les pieds. Secours, passage en commande manuelle. Il n'y en a pas un autre? Si, ici. Parfait. Oh putain, une minute 30 pour sortir. 1 minute 30 pour sortir, d'accord, ok. Un instant, s'il vous plaît, j'envoie un message en 2 secondes. Alors... On voit un petit texto. Désolé. Alors, est-ce qu'on va y arriver? Est-ce qu'il y aura des ennemis? Faut passer le truc là. Système de secours défaillant. On y va, on fonce. Cinquante secondes. Passe au-dessus, très bien. Réseau d'écho de plus en plus instable. 40 secondes. 37. Là, on est obligé d'attendre. On va y aller, on fonce. Putain, j'ai failli mourir. Oh putain, on va mourir.
réseau d'écho instable. Ok, on va y aller direct ici. 13 secondes. Il faut se dépêcher plus que ça, je crois. C'est dommage parce que là, j'y étais. Putain. Oh, c'était vraiment le bout, là. C'était vraiment le bout. Système de secours défaillant. C'était vraiment le bout du bout, là. C'était pas mal. Parfait. On s'est même pas fait toucher. Là, on peut y aller cash. Ok, je me suis fait toucher, c'est pas grave. 50 secondes. Là, je peux passer au-dessus. Parfait. Un passage à la Métroïde. Ok. J'étais pas mal hein, pour le premier run. Hein. Là, j'ai failli crever. Ok. On y va. Magnifique. Là, on peut y aller comme ça, direct. Magnifique. Extraordinaire. Là, je me laisse tomber cash. Super. 13 secondes. Faudrait peut-être tenter les... Mais que... Y'a que moi pour faire ça, les gars. Jetboard, n'oublie pas. Un peu complexe, le jetboard. Wab, tu as dû te tromper de destinataire. Tu me l'as envoyé en mon texto. Je tenais pas à savoir de toi. Je tenais pas à savoir ça de toi. Désolé, les gars. Jetboard, est-ce que je peux aller sur le feu, là, en jetboard? Je suis pas sûr, moi. Jetboard, ça fait un peu flipper, quand même. Regarde-moi ça, le jetboard. Ah, non. Peut-être pour la fin, le jetboard. Système de secours défaillant. Jetboard, ça me fait un peu flipper, moi, cette histoire ici. Hein. Ouais, tu prends des dégâts. Bon, j'ai gagné un peu de temps là, je l'ai utilisé le jetboard, vite fait. Réseau d'écho instable. Ok, on va y aller ici comme ça. Putain, elle a pas voulu sauter, quoi. Ah putain, et puis même roulade et saut pour aller plus vite. Système de secours défaillant. Putain, j'aurais dû y aller. Ah ouais, putain, tu prends double dégâts. Je préférais mourir. Ah oh, putain. Système de secours défaillant. Double dégâts, magnifique. Extraordinaire. J'ai gagné du temps là quand même. La caméra. Pourquoi il veut pas sauter là? C'est bon. Ah putain, faut passer l'ascenseur aussi. Bon, c'est bon. Ça devrait passer, les gars. Ça devrait passer. 8 secondes. Il faut que je retourne dans le portail. Ouf. Just. Mission réussie, les gars. Encore un coup dur.
aventure pour le baron, mes amis. Très bientôt, notre destin va changer. Destruction massive. C'est magnifique. Oh, le 69 pour le Dr. Nintendo, ce n'est pas anodin. Allons-y. Plus de vieux ici, c'est magnifique. Extraordinaire. J'ai cru que c'était la Triforce au sol, les gars. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Où on va ? Qu'est-ce qu'on fait ? Consulte Kiera. Est-ce que ça sentirait pas la fin ? Notre destin va changer. Alors, Kiera. On prend déjà une voiture et on va y aller. Suspect en vue, suspect à bord du véhicule. Laissez-moi tranquille. Moi, je dis que c'est possible de le terminer. Hein. Je dis que c'est possible de le finir. Il reste combien de missions ? Ah, je crois que c'est la dernière course. Ah oui, pour passer. Ah, c'est la classe 1. Oh, j'avais oublié la course de classe 1. Je l'avais carrément oublié. Oh putain, oui. Tu as totalement raison. J'avais oublié ce détail de l'histoire. C'est pas possible, Wab. Pourquoi tu me dis que c'est pas possible ? Attention, je suis à pied. Oh, laissez-moi tranquille. Oui, oui, on est en guerre. Je suis au courant. Suspect en fuite. Qu'est-ce qui n'est pas possible, Docteur Nintendo ? Rien n'est impossible. Parce que je connais les missions prochaines. Et c'est pas possible que tu y arrives ce soir. T'es sérieux ? À ce point-là ? Elles sont si dures à ce point-là ? J'ai dû écraser 12 millions de soldats, là. Putain, j'ai fait le tour du monde pour aller voir Kiera, là. Je me trompe pas là, je suis au bon endroit, oui c'est bon, parfait. Salut Freebrooks, bienvenue à toi Freebrooks. Salut Chef Puma, comment ça va Chef Puma? Ok, c'est parti pour la mission. The Mission. The Mission of the Course. Je vous montre sur quoi je travaille, si vous promettez de ne pas rire. Ouh, j'adore les surprises. Et j'adore rire. Fais voir, fais voir. J'ai reconstitué une chrononavette comme celle qui nous a amenés ici à partir d'objets de récup. C'est bien, ma fille. Mais il me manque encore deux pièces. Qui sont ? Vin dit qu'il faut une carte du temps et une ancienne gemme d'énergie appelée Cœur de Mar. Et j'ai putain, le Cœur de Mar. Dans tous les livres d'histoire des précurseurs que j'ai pu trouver, l'anneau de la faille semble s'être volatilisé. Tu as fait tout ça ? Enfin, je veux dire, beau travail. Arrêtez de tourner autour du pot et réconciliez-vous ! Je sais où est le cœur de Mar. Il est chez Crew. On va te rapporter ces deux objets. À tous les pilotes, la course du championnat de classe 1 va commencer. Eh bien, nous y voilà. La course de ma vie. Jack, je voulais juste que tu saches, tu es le meilleur pilote que je connaisse. Hé ! Et moi alors, poupée ? Je compte pour l'humeur ? Tu veux conduire ? Contre Errol, le fou du volant ? Cours toujours ! À toi de jouer, mon pote. Et t'as intérêt à nous garder en vie, parce que sinon je te causerai plus jamais. Forcément. Fais-leur mordre la poussière, Jack. Alors, honnêtement, il était fort sympathique. Après, je serais pas allé le voir s'il me l'avait pas proposé dans la mesure
où j'ai pas vu ceux d'avant. Oh, les James Bond, ça se suit pas. Hein. Ça se suit pas, les James... Si, ça se suit un peu, mais chaque film sont indépendants. Si Sentenza serait là, il te l'aurait expliqué. Mais si ça va dire quel chef Puma, c'est parfait. Oui, ça dépend, Fibrox, combien de temps on joue. Mais j'espérais le finir ce soir, je pense pas. Si live jusqu'à 3h du mat, peut-être. Alors, avec l'état de fatigue que j'ai actuellement, 3h du mat, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. On va lui monter dessus, tiens, pour le plaisir. Bon, allez, go la course. Déjà, il va falloir que je fasse le pilote. Ben c'est pour ça que j'ai pu voir le film et le comprendre complètement, oui, tout à fait. Bon, ce n'est pas un spoil, je crois que James Bond se marie dans ce film. Mais il n'a pas beaucoup de temps de repos. Oui, du moins j'imagine avoir dû rater des références aux anciens, mais ça ne m'empêche pas de comprendre. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, c'est parti, souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît. Cette scène, faites l'élimination de Chef Puma. T'as jarqué, Chef Puma, t'as jarqué hier à Koh-Lanta. Tu as jarqué, oh, avec la honte en plus. La victoire ne me suffit pas, Echo Monstre. C'est vous que je veux. Bonjour, pilote. Votre courage et vos aptitudes vont être mis à rude épreuve. Si par chance, vous réussissez à battre Errol, notre grand champion, vous recevrez de l'écho pour un mois. Et pourrez visiter mon palais pour voir comment vivent les Bialotti. Bonne chance et mourrez courageusement. À vos marques. Prêt. Moi, je connais Jarté. Jarté qui veut dire saute. Mais après, lui, il a transformé en Jarqué, en fait. Hein. Et ça m'a fait rire. Bon, voyons voir un peu le tracé de cette course. Il y a double raccourci, je crois. Il y a double raccourci. Oh putain, d'accord, ok. Ok, les gars. Putain, je passe entre les deux trucs, sans déconner. Bouge de là, bouge de là. Putain, je suis tombé, je suis dans la merde. Bouge de là, il m'a dit bouge de là. Ok, ah, il y a un petit passage à droite ici. Un petit passage à droite. Et j'ai fait un tour. Ça a pas l'air d'être bien compliqué ce circuit. Errol, tu vas prendre cher. Errol, tu vas prendre cher, je te le dis, moi. Ça n'a pas tourné. Si je prends à droite, ça fait quoi? Ouais, mais après, je me tape... D'accord, deuxième. Ah ouais, non, mais c'est pas un circuit qui est fait pour utiliser les turbos, je crois. Je crois pas, non. Cinquième. Autant se suicider. Maryse, j'ai eu Wham Solar. C'est assez spécial. Wham qui a les références musicales. Et je trouve ça marrant comme mot. Donc, j'ai gardé. D'accord. Ah, ben ça vient de Sentenza. J'ai pas pu être présent ce dernier jour, j'étais sur Forza 5. Comment tu le trouves ce Forza 5, Fibrox? Je serais tenté de prendre un mois de Game Pass pour le sécher. Ça vaudrait bien la peine, je pense. Sur Xbox One, en 30 FPS. Ok, deuxième. Alors, faudrait que je trouve l'endroit le plus stratégique pour utiliser le turbo. Peut-être ici. Ici, c'est possible. Parfait.
Hop, ici un petit coup de frein, ça passe bien. Mais d'où il m'a doublé, lui, là? Ah, il y a encore un autre raccourci, ici. D'accord. Oh, putain, j'ai failli crever. Oh, putain. J'ai failli prendre cher. Voilà, ici, un petit coup de freinage à la montée, et ça passe. Ça passe. Alors, le deuxième raccourci, il est où? Ah oui, putain, je vois pas l'entrée. Je vois pas l'entrée du deuxième raccourci, là. Non, je l'ai pas vu, j'ai oublié, putain. J'ai oublié ce putain de trou. Bon. Ah, il est là, le raccourci, il est à droite. D'accord. Il doit être putain de compliqué. Fail, fail, fail. Ah, les enfoirés. Ils sont comme ça. Les Whammers n'ont aucune pitié pour le Wham. Ah, putain, le raccourci. Attention, attention. Ah, le raccourci encore. Putain, juste après la ligne d'arrivée. Faut que j'y pense. Juste après la ligne d'arrivée. Oh putain. Oh, calmez-vous. Ici, certainement que sortir premier. Hop. Non, même pas. Donc ici, le raccourci. Ah ouais, c'est pas mal, effectivement. C'est pas mal, effectivement. Si je prends les deux raccourcis, il y a moyen de lui faire la misère. Attention, le trou. Ok, ici, je peux faire le turbo. Il le fait aussi, de toute façon. Ok, là, faudrait que je lâche un turbo juste avant la... Oh, putain, le raccourci. Putain. Quand on a mis un trou, là. Dernier tour, c'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. T'es qu'un dégénéré, il m'a dit. Cet enfoiré. Pour le moment, ça passe. Hop. Le turbo. Le raccourci. Un petit freinage. Et l'accélération, c'est magnifique. C'est magnifique. On sent l'expérience. Salut Anto. On sent l'expérience quand même des jeux de conduite. Ah, merci pour le GG, Docteur Nintendo. Je l'ai mérité, celui-là. Une minute, Dax. Il est incroyable. J'y ai joué sur la One normale. Et sur ma Series X, et honnêtement, sur One normal, il est terrible. Mais alors, sur Series X, c'est un régal si tu aimes voyager et les voitures. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'ai beaucoup apprécié déjà le 4. Je suis à deux doigts de claquer un mois de Game Pass juste pour saigner Forza 5, clairement. Et en plus, il y aura... San Andreas... Donc ça me permettrait d'avoir un petit coup d'œil sur San Andreas en même temps, en version remastered. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ah, c'est bien joué, Feebooks, hein. Vous avez vu ça un peu, les gars? Ça sent la maîtrise des jeux de pilotage. Nickel. Merci beaucoup.
cet adversaire. Dans mon monde, les meilleurs sont soit achetés, soit brisés. Et dans le cas présent... Surprise. Quoi ? Un peu plus près, il faut qu'on parle. Imbécile ! Tu ne comprends pas ? C'est fini, Jack ! Les héros ne sont plus d'actualité. Seule la survie compte. Par tous les moyens. La ville est à moi. Ces vies sont à moi. Cette guerre est à moi. Et pendant la guerre, des gens meurent. Tuez-le. Attention ! J'ai gagné, Jack. Oh mais qu'est-ce qu'il est con ! Attrapez-les ! Ouh, course poursuite ! Rapide comme un guépard. Oh putain, qu'est-ce qui se passe ? Faut que je m'échappe ? Laissez-moi tranquille. Laissez passer du palais acquis. Merci bien. Mais attendez. D'accord, c'est la guerre 10 fois pire en fait. Ah ben ça l'est plus. Ah c'est génial. C'est plus la guerre maintenant. Tout à l'heure c'était la guerre. Maintenant c'est plus la guerre. Adieu Erol. Bonjour, ma voiture penche. J'ai un problème de parallélisme. Viens là, je vais te la réparer. Sans déconner. Alors, c'était quoi déjà la tête de mort rouge ? C'était quelque chose de difficile, si je me souviens bien. Allons-y immédiatement. Rest in peace, Erol. Il est mort connement, quand même. Hein. Il est mort connement, hein. Et bien comme il faut. Putain, il y a beaucoup de voitures. Ok. On va passer par là. Ouais, donc, je sais... Vous avez vu les petits messages que j'ai laissés sur le Discord par rapport à GTA Trilogy ? Je m'attendais à mieux. Clairement, ça m'empêchera pas de le prendre, hein. Mais je suis moins pressé, hein. Bon, sachant que je les ai tous faits il y a moins de 2 ans, hein. Quand est-ce qu'on a fait les GTA ? Il y a 3 ans, 4 ans, je crois. On les a tous faits, sauf le 5 et le 3. Ça me fait chier de les acheter alors que je les ai tous, hein. J'ai même la version PS3 qui est très très rare. Version HD, PS3. Je suis quand même assez perplexe parce que là, vu les images que j'ai eues, pourquoi les acheter alors ? Ben, ils sont refaits, hein. Je lance à donner pour donner mon avis. Écoute, on verra bien. Alors. Oh putain, mais c'est ici. Ah oui, c'est là. Il faut que je sois en paix, c'est ça ? Je crois qu'il faut que je sois en paix pour rentrer. On va être en paix. Non, ils m'ont vu. Ils m'ont vu, ces enfoiros. Je veux être en paix. Je verrai sur ma télé pour voir ce que ça donne. Après, je m'attendais pas à un truc de folie. Mais à voir. Oui, oui, tout à fait. Hein. J'ai acheté 3D All-Star parce qu'il me manquait le jeu. J'ai acheté 3D All-Star parce que c'était une série limitée. Sinon, après, j'avais déjà tous les jeux. Sauf, bien sûr, Super Mario 64. Sinon, tous les autres, je les avais en... Comment ça s'appelle ? En original, hein. Et ça me faisait bien chier d'ailleurs, hein, que ça ressorte en HD, hein, parce que c'était des jeux qui étaient quand même assez rares. Hein. Peut-être pas le Galaxy, mais le Super Mario Sunshine était super rare, faut dire ce qui est. Hein. On verra, de toute façon, Anto, il pourra me dire ce qu'il en pense. Tu l'as en cartouche, le 64, avec la boîte ?
Parce que c'est un peu le jackpot ce jeu, hein, si tu l'as avec la boîte. C'est fou, hein, la différence de prix qu'il y a entre la loose et la boîte. Hein. Un truc de fou, hein. Alors, qu'est-ce que je dois faire ? Explore le palais, magnifique. Qu'est-ce que c'est que ce truc au fond, là ? Ça sent la tourelle illuminatrice. Non, c'est un tank, on dirait. Hein. Non, c'est un canon. Sans souci, je serai le plus objectif possible de toute façon. Sans la boîte, faut pas déconner. Bon, pourquoi ça veut pas s'ouvrir ? Sans la boîte, faut pas déconner, Mathieu. C'est vrai, hein. Est-ce que c'est par là ? Oui, c'est par là. Oh là là. Magnifique. Je n'aurais pas dû vous croire. Retour à la case départ, hein. Ne vous moquez pas de moi. Depuis le début, vous cherchez à saper notre guerre contre les Metalheads. De quel côté êtes-vous ? Écoutez, Ashlyn, votre père mijote quelque chose de terrible. Mon père peut détruire les troupes de Metalheads une fois pour toutes. S'il fend la pierre des précurseurs, l'explosion nous tuera tous. Vous ne comprenez donc pas ? C'est vrai ! C'est pas compliqué ! Même moi, j'arrive à comprendre ça ! Ne bougez pas. Vin, venez. Quoi ? Quoi ? Mais enfin, vous savez que je n'ai pas le temps ! Vous connaissez le mythe de la pierre des précurseurs, non ? Oui, j'ai fait une thèse en énergie iconotique sur la physique fondamentale des précurseurs. Pourquoi ? Que se passerait-il si quelqu'un, disons, cassait violemment la pierre des précurseurs ? Super ! Comme si je n'avais pas assez de soucis pour me tenir éveillé la nuit, vous m'en donnez un de plus à redouter. Merci beaucoup ! Si quelqu'un avait en effet la pierre, selon mes prévisions, une surtension d'égo incontrôlable due au choc détruirait théoriquement tout ! Vraiment tout ? Tout ! Tout dans sa totalité ! Bon, si ça ne vous dérange pas, je vais aller vomir. À plus tard. Croyez-moi, Ashlyn, nous devons l'arrêter. Je vais essayer d'en savoir plus. En ce moment, mon père rencontre Crew dans une usine d'armes secrètes près du site archéologique. Tenez, voici mon laissez-passer. Il vous permettra d'entrer dans l'usine, mais pas d'en sortir. On n'a jamais eu cette conversation. Putain, mais il y a des bugs, quand même. GTA V, tu l'as fait il y a près de 3 ans, je me rappelle. C'était pas encore les 1 an de ma chaîne. Oui, mais le truc, c'est que j'avais essayé de le commencer, mais j'avais pas accroché. Ah, bonne chance, Wam, vraiment bonne chance. Écoute, merci beaucoup, Dr. Nintendo, si tu me dis ça, c'est que ça doit être une horreur. Oh con. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là ? Ah, de la pure plateforme. Oh putain, en plus il y a des ennemis. Et en plus il y a des ennemis. Il est où ? Ils sont où ? Ils sont au-dessus. On voit les pieds. Oh putain, mais ils sont sérieux ? C'est l'hécatombe. J'ai plus de vie. I have no health. Oh là là, comment je fais là ? Ah ben c'était le fameux canon. Ok, d'accord. Ah, oh, ce premier passage, c'est une horreur. Ah, oh, putain, les gars. Et tu vas commencer par lequel, Anto ? San Andreas ? Oh, putain. Oh, putain, j'ai pas perdu de vie. Je n'ai pas perdu de vie. C'est magnifique. GTA 3, je l'ai fait dans l'ordre. Ok. Je pense que c'est le mieux. Et tu les as jamais refaits depuis la... Tu les as jamais refaits depuis la PS2, en fait. C'est pour ça, après. Je comprends ton attente, hein. Je comprends ton attente, hein.
C'est vrai que Vice City, San Andreas, je les ai refaits il y a 2-3 ans. Donc c'est vrai que la hype, elle est pas énorme. Moi, c'est vraiment le gap technique qui m'intéresse. C'est vrai que si tu les as pas refaits depuis l'époque, non, jamais. Eh, je comprends. Ah ouais, tu vas t'éclater alors. Hein. Surtout San Andreas qui est complètement énormissime. Hein. Ou de la santé, magnifique. J'ai toujours voulu prendre la PS4 avec le lissage. Là, mais finalement, je ne l'ai jamais acheté. Comment ça, la PS4 avec le lissage? Ah oui, tu veux dire les versions? Oui, il est complètement fou, San Andreas. Tu veux dire la version HD, c'est ça, oui. Alors attendez, qu'est-ce que je dois faire là? Parce que là, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien où je dois aller là. Est-ce que je peux tirer? Oui, contre la vitre. Et ça fait quoi de tirer contre la vitre? Oh putain, faut slider. Ils sont sérieux, faut slider. Oh les enfoiros. Ils ont osé rajouter du slide. Oh non. Attendez, et par là? Non, on peut pas. Oh putain. Oh non, ils ont osé faire ça. Oh, je m'en sors bien. Oh, je m'en sors bien. S'il y avait un petit checkpoint ici, je serais le plus heureux. Ok, alors comment je vais faire pour esquiver les... Déjà ici, je peux pas me faire toucher. Putain. Oh, c'est pas par là. C'est par ici. Non. C'est par là. Et c'est pas par là. Il lui reste combien de missions? Plus beaucoup, nous dit Fibroux. Je prends note, monsieur Fibroux. Par contre, je ne sais pas quoi faire, là. Hein. Est-ce qu'un petit check... Attendez, non, il y a un passage ici. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, double slide. Double, triple slide, là? Mais ils sont sérieux? Mais je ne maîtrise pas le slide. Je pense que c'est celui-là le plus facile. C'est de prendre à droite, aller au fond là-bas. Oh, c'est chaud là, parce que c'est pas des changements de rail automatiques là. Oh, ouf. J'espère qu'il y a eu un checkpoint là. Oh putain. Magnifique. Il y en a encore un autre. Hein. Il fait que courir. Oui, c'est bon, je l'ai touché. Je l'ai touché. Il reste 10 missions. Ah mais c'est énorme. Ah mais on finira jamais. On finira jamais ce soir. Oh là là, va falloir slider là. Faut slider là-bas. Oh non, mais il me faut une sauvegarde là. Il me faut une sauvegarde, c'est pas possible. C'est bon, il est tombé.
Par où je passe? Tu me fais rire, Wham. Ah non, mais c'est ignoble. Ok, je peux descendre, ça va. Je m'en sors bien. Je m'en sors bien, les gars. Pas mal. Oh, j'ai failli mourir. Une sauvegarde là, s'il vous plaît. Normalement, je quitte le palais là. On est à l'extérieur là. Rassurez-moi. Mission réussie. Accès autorisé. Bouclez la zone. C'est bon là. Récupère le cœur de Mar au labo d'armes. C'est moi ou l'image est en retard par rapport au son? Mon record est de 7h46 pour finir le jeu. À 10%. À 100%. 10%. Et 9h34, si je compte le 147%. Ah, je sais pas s'il y a un écart par rapport à la voix. Vous aviez raison, Jack. Ce que fait mon père est mal. Je veux vous aider. Nous pourrons peut-être l'arrêter si nous parvenons à l'usine d'armes. Je vous ai rejoint. Ashlyn, elle est avec nous, ça y est. Ashlyn est avec nous, ça fait plaisir. Allons-y. Non, 10 missions, on le terminera pas ce soir. C'est votre baron qui vous parle. On le terminera pas ce soir pour 10 missions. Un petit first try, le GG est mérité. Merci beaucoup, Top Top. Il n'y a que toi qui l'as relevé. Et je tiens à te remercier solennellement au nom de tous les Whammers qui m'ont oublié. Tape un first try sur un niveau où Dr Nintendo il me dit alors là, bonne chance de chez bonne chance. Mais c'est parce que il y a eu ta réaction que tu as failli mourir avant que tu sois sur la plateforme. Mais j'ai anticipé Dr Nintendo. Et là tu attaques les missions les plus dures. Arrêtez, vous me faites peur. C'est pas... Je veux pas prendre la voiture, bordel. Je veux monter dans la camionnette. Non, je te disais bonne chance pour maintenant. Arrêtez les gars, s'il vous plaît, arrêtez. Mais après, je me dis que c'est dommage. Bon, c'est quand même la trilogie des GTA. Mais ils auraient pu rajouter Liberty City Stories. Et Liberty Stories, je crois, c'était le titre. On l'avait fait en live. Et le spin-off de Vice City, c'était quoi son nom? C'était Vice City Stories, je crois. Je crois, hein, je suis pas sûr. Hein. Vice City Stories et Liberty City Stories, je crois. Hein, pour GTA 3 et... Liberty City Stories, jamais fait. Il est très très bon aussi. Hein. C'est la même map, mais avec d'autres histoires. On l'avait fait en live. Autorisation noire spéciale requise pour cette porte. Accès autorisé. Allons-y, le labo d'armes. On approche des 1h30 de live. Merci beaucoup, Top Top. C'est fou parce que...
Jack and Dexter, ça a été clairement les lives les plus longs que j'ai pu faire ces derniers temps. Après, la question va être, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce que je fais un break sur Assassin's Creed Valhalla et on fait Assassin's Creed 4 Black Flag entièrement ? Ou je finis Assassin's Creed Valhalla ? Pas cette mission pour... Ah, pas cette mission. Tu me souhaites pas bonne chance pour cette mission, c'est ça ? Hop là, on va faire une technique comme ça, les gars. Ça y est, on a l'expérience. On va pas se laisser faire, je vous le dis. Alors, le bouton, à mon avis... Oh putain, il y en a encore un. Il est où ? Je le vois pas. Il est mort ? Ok. Ils sont morts. Si, cette mission est galère. Je voulais juste pas la revoir. Bon. Si elle est galère, je devrais rager, normalement. D'accord, ça l'éteint complètement. Je suis à combien ? Non. On va les prendre. On va utiliser un petit peu la sulfateuse. Magnifique. Ensuite, faut passer là, je pense. Magnifique, sulfateuse pour pas qu'il m'embête. Génial. Ici, deux caisses. Pour ma part, je préfère continuer Valhalla, comme ça on le finit le jeu et c'est bouclé. 40 munitions sur le même type mort dès la deuxième balle. C'est pour le plaisir, c'est parce que j'ai pas crié bouillah. Bon. Oh putain, qu'est-ce que c'est que ces trucs ? C'est Star Wars. C'est bon, je les ai tous eu. Oh non, il en reste un. Magnifique. Parfait. Vous avez goûté à ma sulfateuse. Non, c'est pas comme ça. Qu'est-ce que je peux faire ? Putain. Ils sont où ? On m'a tiré dessus. Je pensais qu'il fallait que je saute dessus, moi, là. Non. Il y a un bug de musique ou c'est moi ? Ben oui. Ça fait plein de fois que la musique est coupée. Depuis le début du live. Wham qui jute plein de munitions. Que moi au lit. C'est une vis, essaye de visser. Bah écoute, j'essaie de visser à parcourir dessus. J'ai pas d'action contextuelle, j'ai pas de clé à molette. À part sauter dessus et aller dans le courir dans le sens inverse. Rond au-dessus. Ah mon dieu, au secours. C'était ça. Je rêve ou c'est Cristiano Ronaldo sur le slot top top. Bug de son les gars. Hein. Une fois de plus. 42. Œuf précurseur. Me suis fait toucher. Connement. Oh là 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 là, catastrophe. Et ils ont osé dire qu'il n'y avait pas de plateforme. Donc là, c'est à mon avis...
On y va. Oh putain, c'est pas assez juste. Ok. On a récupéré le bordel. Où faut aller là? Mon avis, si je tombe dans la lave là, c'est la mort assurée. Cette version est quand même pas mal buggée niveau son et texture. Je le reconnais. Hein. Ce sont des orbes et pas des œufs de Fabergé. Des orbes précurseurs, bien vu. Bien vu, mon cher Top-Toff. Alors ça fait quoi? Il faut que je tire en bas là, sur le truc à mon avis, il y a des cibles. Oui, il y a des cibles. Faut pas que je rate mon saut là. Hein. Parfait. Parfait. On est bien. Pas de vie. Hein. Putain, c'est des ratins sur des vies. M'énerve. Hein. Est-ce que je peux descendre? Oui, je peux descendre. Est-ce que je peux lui tirer dessus? Il s'est caché derrière le mur, cet enfoiré. De la vie, s'il vous plaît. Pas de vie, pas de vie, rien. Pas de vie, rien du tout. À quoi ça sert d'aller derrière, là? Oh, un petit œuf. Une petite orbe, pardon, Top-Toff. Une petite orbe. Précurseur. Un orbe, je crois. Un orbe ou une orbe? Une orbe. Une orbe. Je crois qu'il y a un checkpoint, les gars. Parce que là, ça s'est fermé. Ça sent le checkpoint ici. Hein. Ça sent le checkpoint. Une orbe ou un orbe? J'aimerais bien savoir, s'il vous plaît. Et nous, pendant ce temps, on va activer le truc. Putain, heureusement. Parfait. Heureusement. Je sens le troll, là. Oui, je sens le troll. Je sens le troll, les gars. Je sens le troll. Là, ça l'a tourné. Ouais, ça l'a tourné. Et tu serais tombé, en fait. J'ai senti le troll à 10 km. Allez, merci bien. On s'en sort bien pour le moment. MDR, non une. Une orbe, un orbe. Non une, un orbe, je m'y connais. On dit un orbe. Merci Top-Toff. Maître Capello, qu'est-ce qu'il en pense? C'est assez chacal quand même, hein, ce passage. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Putain, j'en étais sûr. Bon, après, tu peux pas tomber dans le vide, là. Donc ça va. Non, tu peux pas mourir, donc ça va. Tu as un jetboard, Wham. Eh, ça me fait flipper de l'utiliser, le jetboard. Hein. Je le dis. Hein.
Ok. On va monter jusque là. C'était pour... Oh putain, le retour des... Le retour des bouboules. Retour des bouboules. On va tenter la technique en rotation. C'est reparti. Je fais n'importe quoi. On est bon, il y a de la santé ici. On était sûr que c'était pas fini. C'est bon. J'ai plus de munitions. Très bien. Parfait. Oh putain. Putain, j'ai plus de munitions pour les murs. Il est où ce chacalus? Putain, il me tire de là-haut. Putain, j'ai plus de mun. Au secours! Maître Capello dirait en 6 lettres. Une Marie qui vous mène en bateau. Une Marie qui vous mène en bateau. En 6 lettres. Marilène. Stylette Marilène. Les fameuses usines avec l'acide partout. La légende dit qu'ils se sont inspirés des miennes pour concevoir les robots. Sans déconner. On va y arriver, les gars, vous inquiétez pas. On va y arriver. Même si j'ai plus de munitions, ne vous inquiétez pas. Putain, les enfoirés. De la vie, s'il vous plaît. Non, m'en donner des munitions. Oh putain, pas mal du tout, ça. Je le vois pas, il est où? Ouais, c'est bon, je l'ai touché. Encore une. Parfait. Alors, attendez. Oh putain! J'ai failli mourir. Oh, de la santé, magnifique. Et un candidat avait répondu sale. Oh putain. C'est un peu compliqué cette histoire là. Ok. Ensuite, donc là ça s'est enlevé. Très bien. Elles sont associées. Putain. Oui, encore une ou deux. Ok, il y en a encore un là-bas. Putain, il fait que bouger. Oh là là, j'aurais pu l'avoir là. Impossible. On va se rapprocher, il me reste 10 munitions. J'ai l'impression que tu te débrouilles mieux quand il n'y a pas de musique. Dis pas ça, ça va me porter la poisse. Ok. Une petite sauvegarde ici, peut-être? Pourquoi pas? Oh, beaucoup de vie. Des munitions, beaucoup de munitions, ça sent le boss. Oh oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup de munitions. Ça sent le boss, les gars. Parce que jusqu'à maintenant, tu te débrouilles bien. Ouais, ça, j'avoue que ça avance bien. Que se passe-t-il? Oh putain!
Ok, on va passer en truc bleu. On va faire ça aux pompes. On va faire ça aux pompes, les gars. Dans l'angle, plus rien ne peut m'arriver en face. Ah mais ça s'arrête pas. Ouh, c'était réussi. Professionnel. Professionnel. Professionnel gaming. On a réussi. Magnifique. Mais ce n'est pas encore terminé, hein. Ok. Ah, la double porte. La double porte. Le fameux moment. Ah. Bon. Allons-y. Ah, Crew. Dès que je t'ai vu, j'ai tout de suite su que tu étais différent, Jack. Et je te félicite d'être arrivé jusque-là. On a fait du chemin, hein? Ouais, j'en ai les larmes aux yeux. J'adore les armes. J'adore les regarder, les toucher. Et aussi les sentir. Vous avez vraiment besoin d'aide. J'adorais l'arme ultra-puissante que Mar avait construite pour faire exploser les nids des Metalheads. Le pauvre Amush, il est mort avant d'avoir pu l'utiliser. Mais il y en a une autre que j'adore. La bombe perçante que je viens de terminer, mon chef-d'œuvre, est assez puissant pour ouvrir la pierre des précurseurs et libérer l'énergie qu'elle renferme. Dès que le baron se pointera avec la pierre, on la cachera dans le dernier chargement d'écho et on le livrera au nid des Metalheads. Belle surprise. Prends cet upgrade d'armes et oublie ce que tu as vu ici. Pas cette fois, Crew. J'en ai assez des travaux de solde. Alors c'est la guerre, hein? Tu sais bien que je ne peux pas m'empêcher de tricher. C'est mon arme secrète. Dis bonjour à mes petits copains. Ah, quelle joie d'être si nombreux. C'est quoi ces trucs? Ok, d'accord, génial. Tiens, on voit tout. On voit toute la ville, c'est énorme. Comment je fais pour lui tirer dessus, à lui, là? D'accord, ok. Merci bien. Merci bien. Merci d'être venu. Laisse-moi te présenter mes clones. Putain, je me suis fait toucher. Bon, on va essayer ça. Ok, je me suis fait toucher. Il faut quand même 3 balles hein, pour les buter. Putain, mais c'est ignoble. Comment je vais faire? Faut que je trouve la solution. Faut que je trouve la solution. Ils ont l'air de me suivre. Faut que je trouve la solution. Je trouve la solution. On va pas tourner en rond comme ça, Milan. Faut que je trouve la solution pour battre ce boss. Il rajoute des munitions à chaque fois ? Munitions infinies ? Ok, il va falloir tous les enchaîner s'ils rajoutent des munitions à l'infini, là. On va se mettre en full vie, là. En full mun. Go, c'est parti. On utilise ça. Ok. Ah putain, mais même ça... Même ça, ça les one-shot pas. Ça ne les one-shot pas.
Essaie de m'arrêter maintenant. Ok, il est là. Prends ça. Surprise, tu ne viendras jamais à bout de moi. Ok. On va recharger. Il me donne de la munition. De la munition violette en plus, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, la munition violette. Putain, mais il donne pas de la santé surtout, hein. C'est ça le problème. Oulala, oulala, oulala. On va revenir. Il y en a du monde là-haut. Il y en a bien du monde là. Non mais c'est abusé. Bon, je pense que c'est la technique qu'il faut adopter. Avec donc le jetboard. Mais d'où je l'ai pas touché? Mais d'où je l'ai pas touché? Laisse-moi te présenter mes clones. Mes clones. On va se faire un petit tour de recharge. Recharge de munitions. Putain, j'arrive moins à... On va tourner de l'autre côté, hein, plutôt. C'est plus facile. C'est plus facile. Catastrophe. J'aurais tellement aimé te dire first try. Ah ouais. Et j'ai compris la technique. On va recharger encore un petit peu. Par contre, est-ce que le pompe n'est pas plus efficace? Eh, je me fais toucher, hein. Il faut, c'est les avoir de face, toujours de face. Putain. J'ai la légèreté du papillon et l'odeur du... Oh, mais d'où il me touche là? Prends ça. Bien joué, Jack. Existe ce gros là. Il donne... C'est vraiment... Il te donne pas un pet de santé. Hein. Ça, c'est clair et net. Ok. Est-ce que c'est mieux à l'arme violette? Dans la démo du jeu, c'est lui que tu affrontes à la place du baron au début. Ah, c'est vrai? Ah, je... Parce que tu affrontes le baron. Attends, quand au début tu affrontes le baron? Bon, le problème c'est qu'ils arrivent à me toucher. Ça va être compliqué cette histoire. Eh, je me fais toucher trop facilement. Je me fais toucher trop facilement là par ces spectres. Laisse-moi te présenter mes clones. Ok, suicide. J'ai envie de me suicider. Laisse-moi te présenter mes clones. Oh putain, je m'en suis bien sorti là dans cette histoire là. Hein. Est-ce que vous avez vu l'esquive? Ah, peut-être la... Peut-être la Gatling. La Gatling, ça serait pas mal peut-être pour les spectres verts. Oh, attendez, on va recharger quand même un petit peu. Me donne même plus de munitions tellement que je suis à bloc.
la Gatline. Je suis full munitions. Et je me fais toucher quand même. Ils t'en rendent, hein. Il en reste, ils sont où? Ils sont là. Allez, ça suffit. Finissons-en. Non! Oh, là, je crois qu'on a perdu la boule. Ah, espèce de... Oh, putain, il a popé comme ça direct. Ah, faut pas te faire toucher une seule fois. Hein. Faut pas te faire toucher une seule fois, c'est un truc de ouf. Pas possible. Ok. Donc il n'y a personne qui vient derrière, moi ça me va. Recule un petit peu. Maintenant je te tiens. Qu'est-ce que tu en dis? Et où? Mais ce chacal, tu le vois pas! Laisse-moi te présenter mes clones. Mais dans la démo, ça se finit là, genre, c'est la fin de la démo, mais ensuite, ça va être modifié. Impossible d'être pas français. Je n'en doute pas. Oh putain. Un jour qu'on est sur le boss. Un jour, une nuit, les gars. Un jour, une nuit, et minuit 12. On va pas aller au-delà de 1h du matin. Putain, c'est fou parce que j'étais sûr qu'on le terminerait là. J'étais sûr qu'on le terminerait. Faudrait commencer à attaquer peut-être. Putain, mais je... Vous me conseillerez quoi comme arme là? Putain, mais je fais nimp. Il y en a vraiment beaucoup là. Ah, de la santé. Il donne de la santé. Il donne de la santé, ces trucs verts. J'ai l'impression que ça donne. Mais essaie de m'arrêter maintenant. Touché. Je t'ai eu. Non! 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 Mais t'es sérieux? Je le touchais et il perdait pas de vie. C'est pas normal. Surprise! Tu ne viendras jamais à bout de moi. Oh putain! Mais putain! C'est fou parce que les munitions, elles viennent à moi. C'est la première fois que ça fait ça. Mais c'est fou, hein, qu'il me donnait de la santé. Peut-être qu'il donne de la santé. Regardez, les munitions, elles viennent à moi. Elles viennent à moi quand je tire de loin. C'est bizarre. C'est un bug, ça aussi. Peut-être me redonner de la santé, là. Je suis votre ami. Donnez-moi de la santé. Il a jamais vu ça. On est d'accord. De la santé. Magnifique. Je prends.
C'est quoi ton jeu PS4? Eh, merci bien. De la santé. Vous m'envoyez ravi. Ça commence à bien faire. Magnifique. Entrons dans la danse. On va recharger. Alors là, full vie, on va pas prendre de risque, mais vraiment zéro risque. Il se passe quoi là? Il se passe quelque chose d'exceptionnel, je crois. Il a soulevé le jeu. Attendez, on va chercher les munitions. Voilà, du violet, très bien, je veux du violet. Oh oui, beaucoup de violet là, c'est magnifique. Magnifique, c'est exactement ce que je voulais. Il est dans la matrice. Il est dans la matrice. Go, c'est parti, on y va. Perds pas de temps. Ok. Ok. On recule un peu. Oh putain. Oh putain de sa race maudite. Reste tranquille. Il est où? Magnifique! Extraordinaire! Espèce de... L'adversaire est... C'est une mission réussie! C'est trop tard pour vous donner mon préavis? Ouais, on démissionne! La ville est déjà morte! Je t'ai tout vendu! Jack, je crois qu'à l'heure qu'il est, on devrait plutôt être ailleurs! Ashley... Ça va péter. Au cœur de l'action, un petit trophée. Vous, vous trouvez mon père. J'apporterai le cœur de Mara. Le crew du spectacle. Je suis désolée qu'on en arrive là. Elle a dit quoi avec son père là? J'ai rien compris. Pas GG, car avoir des relations sexuelles avec son jeu pour qu'il te donne des trucs, c'est pas bien. Ça se trouve, il a activé un truc genre tu meurs 500 fois, ta munition aimant. Il est très fort. Pénétrer le jeu pour le faire jouir et lui donner de la santé. Il est dans la matrice. Il a soulevé le jeu. Il se passe quoi là? Mais what the fuck? Mais what the fuck? C'est quoi ton jeu PS4 buggé du cul? J'ai jamais vu ça! Mais what the fuck, les munitions? Oh, les messages! Oui, car il est mort trop de fois, je crois, Phil Brooks. Le jeu qui se met à lui donner de la santé, sans déconner. On est bien, les gars! Attention, je suis... Attention, je suis à pied. Où doit-on aller? Il nous reste à peu près 40 minutes. Alors allons-y. Gagne le jeu du Metal Dead. Oh, un mini-jeu, les gars. Un mini-jeu. Mais c'est chez Crew en plus. Crew est mort. Crew n'est plus. N'oubliez pas que vos amis peuvent être des ennemis. En vrai, moi, j'aime pas Crew, donc je suis content.
Au moins c'est réglé, Fibroot. Hey les gars, Crew a mis quelque chose dans cette machine qui le rend vraiment nerveux. Quoi que ce soit, Crew n'en aura plus besoin. Il n'est pas, comment dire, très en forme ces jours-ci. Pousse-toi de là, Jack. Laisse l'en faire, mais pas d'artiste. Tu es une vraie bête, tu sais. Oh putain, les QTE, les gars. Comment ça marche? QTE, les gars. Bien joué. Ouh. Ah ouais, d'accord. Oh, ignoble. Ignoble. C'était pas le bon. Ignoble, c'est bon, j'ai compris. J'ai compris le gameplay. Chaque touche. Ça y est. Chaque touche, en fait, ça représente... Oh, c'est ignoble. Cela, Daxter. Ignoble. Oh non, tu as perdu. Oh, j'ai perdu. Ça a eu beaucoup de manettes. J'en étais sûr qu'il allait spammer. Moi aussi. Je te jure. Ah putain. Bon, va falloir arriver les gars. Hé hey, les gars, Crew a mis quelque chose dans cette machine qui le rend vraiment nerveux. Quoi que ce soit, Crew n'en aura plus besoin. Il n'est pas, comment dire, très en forme ces jours-ci. 1500 points. Laisse l'en faire, mais pas d'artiste. Tu es une vraie bête, tu sais. Beaucoup ont cassé des manettes. Je prends note. J'ai compris en tout cas le gameplay. Bien vu, Daxter. Car tu cliques sur la touche, ça frappe pas direct, c'est l'enfer. Oh les gars, je viens de comprendre. En plus, je me disais, si je prends mon temps, je vais atteindre les points. Le plus important est de pas te faire toucher par les têtes électrifiées. Bordel de merde, c'est comme si c'était timé là, parce que t'as un nombre limite de têtes qui sortent. Ah, ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Hé hey, les gars, Crew a mis non, quelque chose dans le plus machine important, qui le rend vraiment nerveux. Quoi que ce soit, tu ne peux pas en laisser besoin. Passer plus de 20. Pas, comment dire, d'accord. Plus en forme, ok, top top, merci beaucoup. Laisse l'en faire, mais pas d'artiste. Tu es une vraie bête, tu sais. Je peux pas en laisser passer plus de 20. Thank you.
avez compris que... que chaque touche était représentée par... par une touche de la manette, en fait. Putain. Continue d'accès. Mais c'est pas possible. Oh. C'est notre record. C'est que si tu laisses passer une, ça te fait perdre des points. Non. L'écran de gauche, c'est des cercles qui expliquent. En fait, à chaque fois que j'en rate un, il y a un rond qui s'en va. Putain, les gars. Il va falloir que je rentre dans la matrice, là. C'est tiré des jeux de fêtes foraines, ça. Hein. Je fais n'impe. Pas possible. Je parle sur l'écran de gauche, justement. Attention, description des suspects. Ah oui, ça me fait perdre des points, ça me fait perdre des ronds. Ah les gars, on va brûler le cerveau, là, c'est ignoble. Oh, il y a quatre... C'est ignoble. C'est un tap-top, mais là, c'est un tap metalhead. Oui, clairement. Les gars... On va y arriver, ne vous inquiétez pas. Machine qui le rend vraiment nerveux. Petit à petit, tu y arrives, oui, tout à fait. Faut que je coupe mon cerveau en deux. Tu as touché un mauvais métal. Putain.
mon trésor. Allez, essaie. C'est pas possible. Non, mais c'est une horreur. Dis-toi que j'ai fait 9999. Mais non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible, c'est une horreur. Il faut que je coupe mon cerveau en deux, là, les gars. Faut que je coupe mon cerveau en deux. C'est... Je crois que c'est pire que... Que Aune. C'est pire que Aune. Ah, je vais le faire hors live, ça, c'est pas possible. Je vais le faire en off, les gars. Si je vois que j'y arrive pas, là. Putain, mais qu'est-ce que je fais de la merde? Je crois que les jaunes, ça m'en fait gagner, non? C'était pas le bon. Les jaunes, ça me fait pas gagner des ronds. L'éclair orange a frappé. Tu as touché un mauvais métal aide. Les jaunes, ça m'en fait gagner, je crois. C'est impossible. Mon cerveau l'entre. J'ai tapé une crise de nerfs, d'énervement. Ah non, pas en off. On peut voir le wham dans la rage et la galère. Oui, c'est un enfer. Même vous, vous me le confirmez, les gars. Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, tu gagnes 50 points. Sérieux? Tu gagnes pas des vies? Non, mais là, mon cerveau, il est éteint, les gars. Mon cerveau, il est éteint, là. J'ai un temps de réaction ignoble. Ignoble. Les jaunes, c'est 50 points et les noirs, 10. Les rouges te font retirer deux cercles, les rouges. Deux cercles. Putain. Ah, putain. Ah, je me donne encore 10 minutes, les gars. Attends. En vrai, tu laisserais pas passer les jaunes, ça pourrait le faire, ouais. Je suis d'accord. Mais les jaunes, ils arrivent quand mon cerveau, il est embrumé. C'est déjà foutu. T'as rien qui te prévient en plus, hein. We'll be right back.
Tu es mon héros. Ne frappe pas les rouges. C'est jamais pareil en plus. C'est jamais pareil. Ça veut dire que les combinaisons, tu dois les... Tu dois vraiment... Heureusement qu'on prévient pas, sinon le mec de la fête foraine ferait faillite. Ici l'unité Alpha, on est en route. J'y étais là les gars, j'y étais. J'y étais les gars. J'y étais. Hey les gars. Putain, sans chose déconner. Dans cette machine qui le rend vraiment nerveux. Quoi que ce soit, Crew n'en aura plus besoin. C'est jamais pareil. C'est jamais pareil. C'est pas possible, mon cerveau il marche pas. Tu nous as pour la première fois donné de l'espoir. Allez, je me donne jusqu'à 45, les gars. Après, je recommencerai le cerveau reposé dans un autre live. Crew n'en aura plus besoin. Il n'est pas, comment dire, très en forme ces jours-ci. Pousse-toi de là, Jack. Un live spécial Tap Metalhead, c'est clair. C'est possible. Le cerveau ne marche plus, ça y est.
Mais c'est non Oh mais non Mon cerveau ne marche plus. On passe au secteur suivant. Non, je veux y arriver. Je veux y arriver. Hé hey, les gars, Crew a mis quelque chose dans... Je regarde même pas les points, tellement j'ai la pression. C'est ignoble, je vous garantis que c'est ignoble. Ça demande vraiment une dextérité. Putain de merde. Oh, ma beloutre en sucre. Ah, mon cerveau marche plus là. Il marche plus. Oh, c'était pas le bon. Mon cerveau ne marche plus, les gars. Ça donne encore un gameplay différent, ces mini-jeux, au moins c'est varié, mais c'est un des jeux les plus variés de la PS2. Hey, les gars, clairement, il en peut plus, Fibrox. Non, c'est une horreur. C'est une horreur. Je me fais chier à faire un beau truc et tu le lis même pas. J'ai pas fait gaffe, les gars. Vous savez, avec le Metal Head, il vaudrait mieux aller chercher de l'aide pour qu'en cas d'échec au tribunal, tu plaides. Mais pardi, c'est un jeu de merde. J'y étais là, les gars. J'y étais. Putain, j'y étais. J'y étais, putain de merde.
Oh putain, je perds le fil. Putain, j'ai perdu le fil. Ne frappe pas les rouges. Mais j'ai perdu le fil. Ah oh, putain, mais j'y étais encore là, putain. Je, à un moment donné, je perds le fil pendant 5 secondes et c'est là où je me ruine. Ce ne serait pas si complexe si tu pouvais... Si tu pouvais, de ton indi... Les gars, je souffre. Mais je veux absolument le réussir pour commencer le prochain live sans faire ça. Pendant 3 heures. Donc il faut que je me fasse violence. Si le vrai Metal Heads débarquait en ville, je les massacrerais exactement comme dans le jeu. Daxter? Il me supplierait, ne me faites pas de mal. Et je ferai trop tard, tas de ferraille. Faites vos prières. Tu vois le tableau? Je crois que c'est trop fait en bouger. Des Metal Heads! Mais où est passé Sig? Sig? Crew l'a envoyé pour une dernière mission. Une histoire de clé rubis de Mar destinée à ouvrir une porte dans le port souterrain. Mais c'est bien sûr. Dax, il faut qu'on aille au port souterrain tout de suite. J'apporterai la carte du temps à Kira. Soyez prudentes, mes mignonnes. Votre héros revient tout de suite. Est-ce que vous pouvez m'expliquer, s'il vous plaît, qu'est-ce qui est sorti de cette machine ? S'il vous plaît. Les métalettes seront ma peau. Oh non, les métalettes sont devant ma porte. Ils entrent de force. Ils sont trop nombreux. Jack. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à quoi ça a servi que je fasse ce mini-jeu? Tu as ta réponse. Bon, dernière mission, les gars. Parce qu'on peut pas rester sur un mini-jeu. En fait, ça te donne la carte.
Un objet était caché dedans, c'est bien ce qui me semblait, d'accord. En tout cas, merci TopTof pour le GG, merci Fibrooks pour le putain de GG. La carte du temps était dans la machine, d'accord. Encore ce truc. Encore le métal. Ah, sous l'eau carrément maintenant. Ah ouais, sous l'eau carrément. Ah, il y a de l'oxygène. Ils sont sérieux. Oh, des points d'oxygène et tout. Oh, les enfoirés, des mines. Alors attendez, faut certainement que je tape la mine. Peut-être que je tape la porte carrément. D'accord, de l'oxygène, vite. Bon, allez. On se motive un peu. D'accord, je perds de la santé. Il y a des ennemis. Vite, l'oxygène ici. Ici dans le trou. Ok, je prends des dégâts. Ici. De l'oxygène, vite. Ok. Bah, écoutez... Une heure du mat, on va se laisser là peut-être. On va se laisser là parce que ça sert à rien de trop... Est-ce qu'en un live de 2 heures, je peux le finir la prochaine fois? Même pas, non? Ah. Est-ce qu'elle est longue cette mission, Fibrooks? Je suis obligé de passer par la gauche en plus. Il prend des gros dégâts. Hein. T'as oxygène plus essence plus les raies, c'est un truc de ouf. C'est un peu abusé quand même là. Hein. Pas perdre de temps. Ah, con. J'essaie de la finir ou pas cette mission? Ça va en vrai. Comment ça, ça va en vrai? Ça va être complexe cette histoire. Mais en un live de 2 heures, je ne sais pas. Bon, j'avais juste à passer sur la gauche en fait. Mais comment je fais pour... Il me tue la moitié de la vie, sans déconner. On n'a jamais été aussi loin. On n'a jamais été aussi loin, mais je ne sais pas où je dois aller. Là-bas. Foncer à gauche. Re Docteur Nintendo. D'accord. Ok, faut ouvrir les 3. Les 4 même peut-être. Je suis bloqué.
dessus. Et ensuite, on recharge. Il reste 5 ou 6 missions. Ouais, ça va être tendu là. Ah, ça va. On est en dehors de l'eau là. Non, au secours. Non mais t'es sérieux? Putain mais je peux me péter la gueule. C'est très instable. Ça pixelise beaucoup sous l'eau hein. C'est ignoble, ce passage, ignoble là aussi. Ils abusent. Et imagine un robot de plusieurs centaines de kilos. Mais je suis d'accord. Mais pourquoi il a fait le saut en bois comme ça? Putain. Oh putain, c'est pas possible. Je le pensais pas aussi long, vraiment pas. Ah, j'ai tenté les gars, J'ai voulu essayer, je me suis dit pourquoi pas. Ah je comprends Fibrox, je comprends. Oh, regarde-moi ça, c'est un truc de ouf. Un seau en bois. Parce qu'il y a de l'eau. Et l'eau, tu la bois. Et c'est rigolo. Ah les gars, c'est compliqué là. Ce passage-là, il est un peu hard quand même là. Ils abusent. Si tu prends pas tout parfaitement... Ça tient pas là. Effectivement. Mais putain. Bon, la physique est bien faite, hein, je le reconnais. Faut se dépêcher en fait. Concentration. Là-bas, ici. La santé. C'est bon, parfait, je les ai touchés en plus, extraordinaire. Ok. Nickel. On t'a fait ça en speedrun. Veuillez quitter la Titanocombi. D'accord.
aussi hard que de le faire dans une piscine. D'ailleurs, saviez-vous que ça peut avoir un effet ventouse à l'intérieur et vous pouvez rester bloqué dedans. Tout ça pour rester longtemps sur la rediff, YouTube et attirer des nouvelles personnes sur Twitch. Ah non, pas du tout, c'est parce que j'aime le jeu, Top Top. Sinon, c'est 2 heures les lives, pas plus. On va y arriver, les gars. On va y arriver. On va y arriver, vous inquiétez pas. On y est arrivé, même. Ah, mais je le connais, lui. Comment je fais pour y aller? Il va mourir, c'est sûr. Comment je fais, là? Il n'y a plus la... Le jetboard, peut-être? C'est ça. Salut l'ami. Oh. Hey, ramène tes flèches vite fait et sors ton arme. Il m'a piégé, les gars. Crew m'a envoyé ici pour ouvrir de vieilles portes avec la clé rubis que vous avez trouvée. Une fois ouverte, un troupeau de metalheads est sorti de la ville et m'a foncé dessus, comme s'il m'attendait. En voilà un. Crew est mort. Ah oui? Tant mieux pour lui. Je lui gardais un chien de ma chienne. Les metalheads ont dû promettre beaucoup à Crew pour qu'il trahisse toute la ville comme ça. Dégageons d'ici. Dégageons d'ici. Si j'arrive pas à le flinguer, je te refile le bébé. Toi, tu te charges d'eux. Oula, ça sent les énigmes, là. Oh putain, ça sent les énigmes, les gars. D'accord, ok. Alors du coup, ici... Magnifique. Énigme résolue. Mouchoir Vibroux, vite. Il va mourir, les gars. Ça y est, vous m'avez spoilé. T'as entendu ça? Si on lui tire dessus, ça va le rendre dingue. Oh putain, c'est un gros, lui. Séquence Uncharted. Séquence Crash Bandicoot. J'étais dans le mauvais sens. Sans déconner. J'étais dans le mauvais sens. La honte. Et là, ça marche plus. Y'a que moi pour faire ça. Heureusement que le ridicule ne tue pas. C'est bon. Salut l'ami. Ok, allez, vite, on y va. On est au courant. Ne vous inquiétez pas. Si j'arrive pas à le flinguer, je te refile le bébé. Toi, tu te charges d'eux. Vite. Allez. On va partir dans le bon sens cette fois. 2h45 de live. T'as entendu ça? S'il rit-tu, tu ne serais jamais né. C'est pas faux. Oh là là. Il te lâche. Oui, ça va, faut que je vois son chemin qu'il prend là. Elle est prêt là. Allez, allez, allez. Il est sérieux? Mais on va pas recommencer de là à chaque fois quand même. Putain. Plus avec un saut au poil de... Putain, sans déconner. Mais t'es sérieux? Roulade croix. Salut l'ami. Hey, ramène tes flèches vite fait et sors ton arme. Ah mais oui, c'est vrai. Mais putain, c'est vrai, en plus je l'ai fait ici là. La roulade croix, bien entendu. Autant pour moi. Là, ce passage, j'espère que ça a sauvegardé.
En pleine mission, vous pensez que ça a sauvegardé? Je préfère pas prendre le risque, là. T'as entendu ça? Si on lui tire dessus, ça va le rendre... Il te l'a! Ça va être chaud! Au secours! C'est la dernière fois qu'on entend parler de lui. La dernière fois, je suis pas sûr. Je te laisse te débrouiller, mon grand. Comment tu fais, là? Peut-être en tirant? Est-ce que ça marche en tirant? Si, ça marche. Et est-ce qu'il explose, je crois? Je pense que c'était un peu trop violent. Faudrait que je prenne celui-là. Il manque, c'est vraiment au timing près. Hein. Ça s'est ouvert où? Là-bas. Très bien. Ouais, mon grand effet. Parfait. Qu'on rentre chez nous. En tirant avec le pacificateur carrément. J'avoue, j'ai compris là. Est-ce qu'on va atteindre les 200 180? Ça pop à l'infini là, je crois. Oui, c'est bon. Super, on fêtera ça plus tard, effectivement. Oh, il est de retour. Super. Revoilà le gros vilain. On dégage. Oh putain, fallait y penser à ça. Ça va. Tranquille, calme-toi. Calme-toi. Adieu, mon chou. Continue. Par où? Ça boum. Juste un tour dans le parc. Un tour dans le... Allez, on est presque à l'ascenseur. Eh bien, on dirait qu'on a fini par les semer, pas vrai? Les doigts dans le nez. Désormais, vous êtes de vrais renégats. Je pense qu'il est temps d'affronter le chef des Metalheads maintenant. Quel beau trophée il fera. Il faut trouver le moyen de doper le vieux pétard de mare et boum, bébé, on fait sauter le nid. Ouais. Et on s'occupe d'eux ensemble, toi et moi, côte à côte. Rien ne nous arrêtera. Oh, c'est quoi le plan B? Le mec qui meurt. C'est par là? Oui, c'est par là. Parfait.
Est-ce que ça sauvegarde? Est-ce que je sors? Oui. Je suis... Magnifique. Merci d'avoir récupéré les objets, les gars. C'est bizarre. Sur la carte du temps, il y a de vieilles coordonnées. Rejoignez-moi au stade. C'est magnifique. On a terminé ce live à 1h15 du matin. 3 morts en peu de temps. Il est mort assez brutalement, je trouve, quand même, Sig. C'était pas vraiment de manière héroïque. Il a eu une mort un peu à la con, je trouve. Mais vous devriez être... Vous avez dû être vachement triste, quand même, étant jeune, quand vous avez joué à ce jeu. Parce qu'il était là, il t'aidait, et puis au final... Puis tu vois que le pont est tout craquelé, il va se passer quelque chose, c'est sûr. Merci pour le spoil, monsieur Docteur Nintendo. Vous m'avez fait deviner 10 km avant la ligne d'arrivée. Mais c'était prévisible en même temps. Un grand merci à Fibrooks, un grand merci à Docteur Nintendo, un grand merci à Toptoff. Docteur Nintendo qui nous dit « Erol et Sig sont morts brutalement. Moi, la mort la plus triste, c'est Crew. » C'était pas moi qui avait spoil. Non, je plaisante. Non, je crois que c'était Fibrooks. N'oubliez pas que je découvre le jeu, messieurs. Un grand merci à vous d'avoir été présent aussi tard. Un grand merci à vous. À plus dans le bus, à bientôt dans le métro, à la revoyure, dans la voiture et à jamais dans le tramway. C'est sûr qu'on le finit au prochain live. Sûr et certain. Mais de rien, Docteur Nintendo, c'était avec un grand plaisir que je vous ai laissé cette surprise dans votre map de Minecraft.